Salut les loulous, c'est Soba Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour la présentation d'un Kickstarter, donc actuellement en cours. Et donc c'est le fameux RPG que je vous ai parlé pendant la présentation du Kickstarter de Coral Island. Il s'agit de The Way of Wrath, donc rien à voir avec les précédentes présentations, là on est vraiment sur du RPG, c'est pas le style principal de la chaîne, parce que il bah, y a peu de, de loulous qui suivent mes, mes vidéos de RPG. Mais euh, moi c'est un projet que je suis depuis un petit moment. Ils ont lancé leur Kickstarter, bah, comme vous pouvez le voir. Alors moi je tourne là le 5 février, mais vous aurez certainement la vidéo un petit peu quelques jours plus tard. Donc vous voyez qu'au moment où je tourne, ils ont fait une journée de Kickstarter. Ils sont quasiment à la moitié de la somme euh, qu'ils demandent, donc 23 000 euros, hein, voilà, contront. Ils sont à 10 300, c'est plutôt pas mal. Euh, le genre RPG n'est pas un genre dominant hein, dans, dans les Kickstarters, il faut savoir. Euh, à part les grands noms euh, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu euh, comme euh, dernièrement euh, les ceux qui ont recréé un studio, les anciens de Suikoden de chez Konami, qui ont recréé un, un studio et qui ont lancé leur Kickstarter sur le nouveau projet qui ressemble énormément d'ailleurs à Suikoden hein. euh, J'ai plus le nom en tête, il y a Chronicles dedans, mais Yoden euh, Chronicle, voilà. Euh, qui a cartonné. Euh, on a eu du Edge of Eternity, les RPG style... Euh, comment ça s'appelle euh, très narratif tout ça ça en général ça marche bien euh, les, les kickstarters qui vont dessus ça ça fonctionne plutôt cool hein, coolement comme il euh, y en a eu plein dernièrement les, les pillars of eternity il y en a eu deux il euh, y a eu les euh, les divinity là euh, j'ai plus les noms exacts il enfin, y a beaucoup de projets qui m'échappent mais ils sont tous passés par là cela marche les RPG plutôt tactiques traditionnels tout ça c'est plus compliqué euh, en plus bah, celui-ci il est développé et édité par le studio Animal, qui est... donc le jeu est prévu pour sortir en 2021. Il sera qu'en anglais avec un support manette. Voilà pour les infos sur le jeu, Alors qu'on passe sur le Kickstarter. Vous avez eu un trailer en début de vidéo pour vous montrer un peu ce que c'était. On n'est pas sur le... un grand jeu, hein, clairement. Euh, mais euh, voilà, c'est un petit jeu de niche. Euh, moi, c'est l'aspect le... graphique qui m'a vraiment plu, euh, le rendu des personnages, tout ça. Je trouve ça assez original. Après, on reste sur du tactical RPG. Hein, donc, euh... Euh, rien de particulier là-dessus et donc ils se sont inspirés des classiques que sont Baldur's Gate Gothic et Legend of Zelda euh, donc ce sera un, un jeu de rôle euh, donc euh, avec une histoire hein, open world à première vue bon ça je demande à voir quand même et donc avec des combats tactiques donc quand on commence à descendre euh, on a les premières infos hein, concernant euh, le jeu alors j'avais demandé une traduction euh, français euh, pourquoi ça voilà merci <laughs> je l'avais préparé pourtant en avance mais euh... Voilà. Hein, ce serait bien de me le mettre. Donc, voilà. Donc, c'est un RPG tactique basé sur l'histoire dans un monde ouvert situé dans un monde chamanique préhistorique. Ça, c'est plutôt original. Et donc, avec les inspirations que je vous ai données euh, précédemment. Euh, on pourra chasser, pêcher, faire du craft et euh, donc euh, effectuer des rituels. Voilà. Bon, ça, Il faudra voir exactement en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça permettra de faire. On aura peut-être l'info plus bas. Je n'ai pas du tout... Euh revisionner euh, le Kickstarter euh, avant, euh, avant de, de vous proposer cette description. Je découvre avec vous. Euh, J'essaye en fait de présenter les Kickstarters comme je fais mes découvertes de jeux euh, sur la chaîne, c'est-à-dire je ne teste pas avant, donc je ne lis pas avant. Ça arrivera sur certains que je suis vraiment de près, comme par exemple Coral Island, je l'ai euh, beaucoup lu, euh, donc je, je savais déjà de quoi je parlais. Mais Par exemple Sunnyside, je vous l'ai fait un peu à l'impro, celui-ci ce sera pareil. Ova Magica, c'était euh, mi-impromis, euh, déjà connaissance, euh, parce que j'aime bien découvrir, comme n'importe qui découvrirait en fait, euh, moi c'est ma façon de faire, et euh, bah, c'est comme ça que je fais du coup. Donc, euh, découvrir des repères d'animaux, chasser des prédateurs vicieux, donc ça c'est pour la partie chasse, percer dans des trous dans un lac gelé, oui, parce que l'univers a l'air très froid, très glacial, euh, donc pour pêcher des poissons, hein. Euh, parcourir les terres à la recherche d'herbes et de minerais rares, donc il y aura du farming un peu à première vue, hein. en vue du craft pour fabriquer voilà, des armes, des armures, des médicaments, des ensembles spéciaux à inhaler sur les hôtels des chamans voilà, vu que c'est chamanique. Donc une histoire euh, voilà, une histoire racontée avec des choix euh, dramatiques. Euh, donc on aura des choix qui influeront peut-être sur le jeu ou pas du tout. Euh, ça, ce sera à voir une fois le jeu sorti. Des combats tactiques brutaux. Voilà, rapide, dynamique et mortelle, utiliser des tactiques intelligentes, enchaîner les compétences de groupe en combo et maîtriser l'art de la guerre. Voilà. Les effets pyrotechniques, ça fait... Il y a un petit côté légèrement sel shadingisé donc avec du sel shading <laughs> Ça se dit pas du tout ce que je viens de dire. Au niveau des effets pyrotechniques, je trouve peut-être peu... pas... pas vraiment sur les personnages, mais en tout cas sur les effets, moi je trouve qu'il y a cette... ce petit effet de rendu. Et ça, c'est plutôt classe. Donc, il y aura une création de personnages avec un choix d'hommes ou de femmes pour le personnage principal. On pourra donc choisir parmi 8 origines euh, d'histoires distinctes. Ça, c'est plutôt cool. Euh, plus de 100 compétences pour euh, euh, créer notre personnage, donc en les mélangeant et avec un système de RPG euh, sans classe. Voilà. Donc, ce sera des compétences un en fait, y a, on ne choisit pas une classe, mais ce seront les compétences qu'on sélectionnera au départ et après celles peut-être qu'on débloquera, qui feront notre personnage qui sera plutôt orienté, guerrier, je ne sais pas, archer, magicien, euh, soigneur, etc., etc. Voilà, mais donc pas de classe. Il faudra recruter. Il faudra euh, recruter des compagnons. Donc 8 compagnons. Ce qui voudrait dire qu'on est 9, ou alors on est déjà inclus dedans. Avec des histoires uniques avec lesquelles on pourra devenir amis, les contrarier ou même tomber amoureux. On a première vue, un système de romance. Où on peut créer une équipe complète euh, 100% avec des personnages personnalisés par nous-mêmes. Voilà. Donc soit des personnages prédéfinis avec leur histoire, soit des personnages 100% faits par nous-mêmes. Nous on aura le, un système de management de fort, donc, euh, qui nous servira de base et qu'on pourra certainement du coup améliorer. Il y aura des mini-jeux. Et ça et superviser la construction la reconstruction des défenses donc ça c'est plutôt cool mine de rien ce genre de petit truc moi j'aime bien ce genre de petites choses euh, pour revenir justement à Suicoden c'était un des grands principes en dehors des 108 étoiles donc des 108 personnages qu'il fallait recruter qui n'étaient pas tous jouables hein, mais qu'on qu recrutait dans chaque euh, épisode il y avait euh, on récupérait à un moment donné dans l'histoire euh, un fort abandonné euh, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais où une ville de, euh, pareil, une ville abandonnée. Toujours quelque chose d'abandonné et dans lequel on, on bâtissait, on reconstruisait en fait des choses et ça nous débloquait, euh, bah, ça nous débloquait des accès à la, aux personnages vendeurs, au personnage vendeur quand on les recrutait, bien sûr, euh, enfin, à tout un tas de choses différentes. Et euh, moi j'aime bien ce genre de truc quand c'est inclus dans un RPG. Donc, euh, gérer et manager son, son propre fort, pourquoi pas Ça me fait penser par exemple aussi à Assassin's Creed Valhalla hein, dernièrement, où on doit euh, bah, construire son village et euh, chaque, chaque euh, type de, de construction hein, qui débloque des choses et, euh, avec un système de level. C est, c est, moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, on est toujours, hein, donc on revient sur un peu la même chose, sur un RPG tactique basé sur une histoire et un monde ouvert. Donc, ils nous emmène dans un voyage déchirant à travers un monde chamanique inspiré de la terre antique. Bon, dans un monde de chamanes, de malédiction de rituels sombres, vous êtes un nouveau chef de Tène, le peuple nomade et tribal du Nord, et vous avez un objectif mener votre peuple à travers un enfer d'un siège lancé par vos ennemis. Voilà. Donc, il faudra peut-être se défendre. Justement, c'est pour ça que juste un, un peu plus haut, pour le fort, on nous dit de construire et de reconstruire nos défenses. C'est peu, peut ça vient peut-être de là. Donc, on va devoir de combiner des éléments de chefs d'œuvre que nous aimons. Voilà. Donc, ce jeu est constitué d'éléments de chefs-d'œuvre qu'on aime, comme Zelda, ou Gothic et Baldur's Gate, leurs inspirations, avec des, leurs propres idées à eux, hein, pour créer un jeu réactif, riche et axé sur une histoire où chaque défi pourra être surmonné, surmonté. j'ai du mal. C'est mon premier record de la journée, ça promet. C'est la journée marathon que je vous avais annoncé il y a quelques jours sur le Discord. Euh, j'ai euh, voilà. du taf et euh, ça fait plusieurs jours que ça dure. Bientôt, bah, ça fait une semaine en incluant aujourd'hui. C'est un rythme d'enfer. Entre les sorties qu'il y a eu en ce début, fin de janvier, début de mois, je vous ai mis euh, quasiment le jour même, voire le lendemain sur la chaîne, et euh, le Steam Game Festival, c'est de la folie. Quoi. Euh, donc voilà, donc on pourra surmonter ça de nombreuses façons. Et on sera récompensé justement en tentant ces choses-là. encore un petit, euh, Donc ça, ça doit être les fameux hôtels chamaniques, je suppose. Donc voilà les supports euh, et les stretch goals prévus. Donc euh, s'ils arrivent à aller loin, il y aura le déblocage des consoles, déblocage de nouvelles langues, etc. etc. Euh, on pourra voilà création de personnages et huit compagnons d'histoire. Donc les langues de base c'est celle-ci, il faut savoir que le studio est. Alors attendez, on va vérifier ça ensemble, j'ai mis la page Steam. Euh, doit. ne je sais pas ce que c'est ce drapeau. C'est pas russe. Vous voyez les langues prévues au départ. Et encore si on se fie du coup au, au Kickstarter, il euh, n'y aurait que l'anglais et ça qui est de prévu au départ. Les autres, c'est des stretch goals. Donc euh, petite différence euh, entre les deux. Et ça c'est ce qui est prévu de base dans le jeu. Voilà, je vous laisse lire et euh, traduire. Les petites récompenses, donc il y aura des récompenses exclusives pour le Kickstarter. Les fameux stretch goals, donc les, les paliers hein, en fait. Le combat en temps réel pour 35 000 euros. Voilà, donc là c'est euh, la, la finance de base et ensuite voilà, c'est les différentes choses. Donc ensuite, à 45 000 euros, le portage sur Switch. Après, bah, le, le palier suivant c'est un mystère. Il faudra peut-être débloquer celui-là pour que celui-ci apparaisse. C'est un peu le principe. Hein. Donc voilà, c'est pas. Euh... Il y a certains Kickstarter en fait. J'allais dire c'est pas très détaillé, mais un petit peu quand même parce que certains Kickstarter, tant qu'ils n'ont pas atteint la somme de base, euh, ils ne dévoilent pas ce genre de choses. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va rentrer dans le détail. Donc. Euh... On a un système de RPG sans classe, donc ça on l'a dit. Une expérience complète de l'histoire de RPG avec des quêtes, rassembler des compagnons, se lier d'amitié et euh, pourquoi pas, euh, alors là c'est plus indiqué, mais avoir une romance avec eux, à voir si c'était mal traduit ou pas. Un monde ouvert 100% fait à la main au niveau de déplacement de toutes les choses et des, donc ça c'est c'est assez fort. Des choix et des conséquences, donc chaque choix qu'on fera aura certainement ah, Peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, peut-être les choix les plus importants ont des conséquences. Et du coup, euh, bah, différentes possibilités en termes de game de, de choses qui vont s'ouvrir à nous pendant le, la découverte de l'histoire. La fameuse gestion du fort. Alors, il précise construisez des pièges et des équipements de siège. Fabriquez des armes, des armures, des outils de guerre. D'accord. Le fameux combat tour par tour qui pourra se transformer en temps réel s'ils si atteignent le panier de 35 000. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poste. Ce sera plus dans le genre. Euh, il y aura peut-être une pause active. Ce sera plus dans le style euh, Divinity peut-être. Ou euh, je crois qu'on a aussi une pause, mais, euh, mais si on ne met pas la pause, bah, pour donner les ordres, tout ça, euh, bah, du coup c'est du temps réel. Je crois. Hein. J'ai pas vraiment joué, donc je ne me rappelle plus. J'ai joué au tout premier, mais au tout début, et je ne m'en rappelle plus. Et euh, les jours sont des tours d'histoire. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Chaque jour de jeu, chaque jour du jeu, la carte se met à jour avec de nouvelles rencontres. D'accord. Ok. Donc il y a un système peut-être aléatoire. Intéressant. Donc de base, le jeu est prévu sur PC, Mac, Linux, Steam et Gog. On peut débloquer donc les plateformes suivantes, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox, si ça se fait. Les langues... Ah, c'est du géorgien, d'accord, donc anglais et géorgien. Et les langues supplémentaires qui peuvent être débloquées. D'autres plateformes et langues pourront être ajoutées à l'avenir. Voilà, ils prennent les devants, mais ce n'est pas forcément sûr. Hein. Ça, je vous laisserai lire, je ne vais pas vous le lire, c'est un petit développement de ce qu'est l'histoire du jeu. Voilà, vous mettrez sur pause. Idem pour ici. Voilà, petite pause. Alors là, on est sur les... la tribu des Trains, donc notre tribu en fait. Hein, avec, euh, donc ça, c'est peut-être notre personnage. Ici, donc, euh, bah, d'autres PNJ avec un petit descriptif de ce qu'ils sont. En l'occurrence, il n'y en a qu'un. <laughs> Je ne sais même pas si c'est son nom en fait. Arakas. Donc quand l'ombre d'Araka. Ouais, c'est bien. C'est bien un homme. Ok. C'est peut-être le méchant, l'antagoniste le... de l'histoire. Ok, donc un... encore un développement de, de l'histoire du jeu. Alors donc, Old Beer, un autre personnage. Ok. Donc effectivement, il y aura des sièges ennemis hein, sur notre forteresse. D'accord. la carte qui se met à jour tous les jours in-game. D'accord. Samaya. Une jeune femme. Moi, c'est voilà, le, le design, j'aime bien le design, voilà, ça, après c'est une affaire de goût, hein. c'est vrai que le design des personnages et euh, le rendu est plutôt fidèle en jeu, on le voit ici, hein. alors, certes, c'est pas forcément les plus beaux beau graphismes qu'on ait vu, mais c'est très secondaire hein, dans ce genre de jeu, donc. et moi j'aime bien, euh, bien l'interface de dialogue, j'aime bien le fait qu'il y ait des personnages de chaque côté, et les personnages voilà, qui sont vraiment très ressemblants euh, au chara-design papier, et euh, complètement ressemblant avec le kara design in-game. Et ça, c'est plutôt rare. Parce qu'en général, vous avez des sprites 2D, 3D de vos personnages à l'écran. Et euh, un truc en cara, Le kara design qui est presque papier en fait. Sur les écrits, sur le côté des textes. Et c'est en général beaucoup plus beau ici que ce que ça l'est en jeu. Et là, moi, je trouve que c'est très ressemblant. Et, euh, et c'est ce côté-là que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, création du personnage. Donc, avec une petite vidéo si vous voulez voir ça. 8 enfin, euh, histoires pour les origines hein, de, de nos fameux 8 personnages, euh, si on veut faire euh, donc notre groupe avec les personnages préétablis. Lui, ça a l'air d'être un méchant. D'accord, donc il y aura des missions spéciales pour chaque euh, origine d'histoire, s'il y a un certain stretch goal qui a atteint. Pourquoi pas donc, Le système de combat, on l'a vu aussi dans le trailer avec euh, les tours qui sont gérés là-haut. Voilà, donc avec là les, les petits euh, gifs qui défilent. La progression, le système de progression du, des personnages, donc avec les compétences, euh, alors, euh, les attributs, il y aura les, les attributs, les com le, le combat et l'exploration. Par exemple, ici dans les attributs, on a euh, la résilience, ça je sais pas ce que ça veut dire, might c'est euh, l'esprit peut-être, mais je suis pas sûr non plus. Voilà, avec un système de points attribués. C'est un concept qui est en tra travaux actuellement, donc ça peut changer. Euh, que ce soit en termes de design ou de compétences à l'intérieur, ou même de points à attribuer. Voilà. Un petit exemple de ce qu'on pourra euh, porter avec nos personnages. C'est assez détaillé. OK. Donc les fameuses parties euh, comme un jeu de survie, hein. la survie, le craft, la chasse, et donc la pêche aussi. Là on voit qu'il creuse son trou dans le GIF animé et qu'il pêche derrière. Voilà, un nounours qui fait peur. Ils aiment toujours bien faire des câlins, les ours. Hein, C'est euh, hallucinant. Alors, après, je veux, quand, on, quand on voit notamment cette image-là ou celle-ci, on voit des plus gros plans. Euh, ce, ce style graphique, clairement, ça ne plaira pas à tout le monde. Hein. Je pense que là, il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Soit on aime, comme moi, soit on n'aime pas du tout. Hein. C'est un rendu très particulier. Il hein. faut, faut être clair là-dessus. Hein. Donc. On continue de faire défiler, donc il y a un peu de, de présentation euh, des mini-jeux maintenant. Donc là normalement euh, ça a l'air d'être un peu d'alchimie. Voilà, les ingrédients justement pour ça. Le fort, le fameux fort. L'ancien fort est une nouvelle base pour vous et vos alliés au début. C'est un endroit de ruines. Et c'est un endroit en ruine et inhospitalier, méfiant les uns envers les autres, vos gens se blottiront en petits groupes au milieu, des bâtiments effondrés se disputant un abri contre les vents glaciaux. C'est voilà. Et donc là, bah, l'intérieur du fort, certainement, le forgeron. Donc, voilà, on va devoir superviser la reconstruction, il va falloir explorer la nature et à l'extérieur du fort, on retrouvera des avant-postes où vous allez peuvent collecter des ressources précieuses utilisées pour réparer les bâtiments justement de la forteresse, construire des nouvelles structures défensives, des pièges, et déverrouiller l'accès aux zones bloquées. Une fois que leurs leur besoins... De base en abri en nourriture sont satisfaits, vous verrez votre communauté se rassembler, raconter des histoires autour d'un feu de camp comme ici, et partager un verre avec vous et participer à divers mini jeux. Ça c'est plutôt cool. En tant que leader, on sera obligé aussi de gérer les désaccords, d'adopter des, no des lois et de maintenir la discipline et le moral de nos alliés. D'accord. Que vous dirigiez d'une main de fer à la diplomatie ou à la supercherie dépend de vous. D'accord. Donc on peut choisir la façon peut-être il y aura peut-être des, des choix à faire dans nos décisions euh, suivant euh, un axe en fait. Donc euh, la, la diplomatie, on essaye de, voilà, de contenter tout le monde. Euh, la main de fer, c'est comme ça et point barre. Ou la supercherie, c'est on promet quelque chose et au final. Euh... Donc les récompenses maintenant, digitales. Enfin les récompenses tout court, elles peuvent être digitales ou physiques. Hein. Sur les différents paliers, ça, euh, voilà, hein. présenté comme ça, c'est joli. Hein. Donc, ça, c'est les différents packs. Et donc, euh, voilà. Premium physique, c'est le premier peut-être. Digital. Ah non, physical game. Donc, pour 50 euros, vous pouvez avoir la version physique du jeu. Alors, je pense que le, euh, la sortie du jeu sur Steam ne sera pas à ce prix-là. Hein. Euh, le premier pack pour avoir le jeu, c'est 20 euros. En général, c'est vraiment le truc de base. Hein. 20 euros. C'est voilà quoi. Et si les, les développeurs sont honnêtes, et d'ailleurs, euh, sur Coral Island, ils l'ont annoncé sur le Discord. Le pack pour avoir le, sur du Kickstarter de base, pour avoir le jeu vraiment basique, c'est 20 20€. La sortie en, en early access, je crois que ce sera 27€, un truc comme ça. Euh, voilà, pour justement que les, les, les backers du Kickstarter s'y retrouvent. Et c'est normal, quelque part. Donc, une, vie, une version physique euh, premium, Collector. Hein. Une édition Ultimate digitale. Et après, là, on va commencer à monter dans les, les gros gros trucs. Hein. Donc, 170 euros. Collector édition, Il y a beaucoup de choses. Là, on va pouvoir, pour 219 euros, vous aurez le droit, en plus de tout ce qu'on vient de voir avant, le droit de designer un pet pour le jeu. Voilà, là, ce sera une arme artefact à 329 euros. On continue. Votre euh, trogne dans le jeu pour, 400, pour 500 euros. Voilà. En général, euh, tout ce qu'il y a dans les packs suivants reprennent les packs d'avant. Hein. Ici, carrément, le design d'un personnage, d'un NPC, pardon, pour 750 euros. Et pour 5000 euros, c'est le mythique. On devient un personnage mythique, carrément. Bon, je vois pas trop l'intérêt, hein, mais on peut toujours, vous voyez, designer le pet, avoir notre tête dans le jeu, enfin voilà. Ça reprend tous les trucs d'avant. Bon, après, il faut être euh, motivé. Motivé, motivé. Quelqu'un qui prend ça, il, fait, il aurait déjà fait la moitié, financé la moitié de ce qu'ils ont actuellement récolté. Parce que du coup, ce pack à 5000 euros, je ne pense pas qu'il ait été euh, pris pour le moment. On peut voir. Hein. Voilà, zéro contributeur, il n'y en a qu'un seul. Et on peut faire le curieux. Le pack à 750, je crois. Non, 3000, ça n'a pas été pris. Ici, il n'y en a pas eu non plus. À 1450 le suivant n'a pas été pris non plus à 750 ici pas bah, pas du tout à 500 et on a le premier gros contributeur il a pris le pack à 330 euros pour concevoir une arme artefact et aussi euh, un animal de compagnie du coup à 229 euros il y en a eu trois il y en a quand même qui ont des sous hein. il y en a clairement qui ont des sous donc là c'est les, les liens sociaux bon, là, y a de particulier et donc après vous avez la team alors dans, dans la toute première vidéo tout en haut du, de la page kickstarter d'ailleurs il y a une interview des développeurs euh... et puis voilà c'est à peu près tout donc je vous ai je vous remontre les packs de départ on commence comme je vous ai dit euh, donc là c'est euh... je remonte ici pardon donc on a toujours le, le truc de base à 1 euro je vois pas l'intérêt de mettre 1 euro mais bon euh, ça n'a aucun intérêt. Le premier pack pour avoir le jeu en édition euh, digitale, hein, donc pour 20 euros, où vous aurez donc votre copie du jeu à choisir. Même sur console, si c'est débloqué, on aura un, un rôle spécial sur le Discord, etc., etc. Enfin voilà. Et un, papi, un papier peint papier, papier, numérique, donc c'est un fond d'écran. Hein, le papier peint, traduction française, fond d'écran. Donc voilà, les loulous, on a fait à peu près le tour. Euh, je pense que ça paraît, c'est le ce genre de jeu qui plaira pas forcément à beaucoup de monde dans la communauté. Mais euh, moi je vais le... Je pense que je vais mettre un petit 20 euros dessus. Euh, histoire d'avoir une clé du jeu pour la sortie. Et puis voilà, avec mon compte... Euh, oh, je ne suis même pas conne connecté sur Soma Gaming, tiens. Euh, Bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que cette nouvelle présentation d'un projet Kickstarter vous aura plu. Euh, S'il n'y a pas de surprise euh, inattendue d'ici là, le prochain que je vous présenterai sera fin février. Ce sera Roots of Pacha. Et en attendant, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.